Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur. Est-ce que vous avez le trac, les enfants ? Non, ça va ? Nous sommes très heureuses de vous recevoir ce soir pour la 9e édition du Festival Bossa Nova. On va devenir des artistes ? Ah, bah peut-être. Le festival a débuté le 20 novembre par le vernissage autour du thème « Henri Salvador aurait eu 100 ans ». Vous êtes prêts ? Vous allez chanter combien de chansons ? Toute l'équipe Jazz Europe est vraiment très comblée de pouvoir proposer à des élèves, à des enfants, la possibilité de se produire sur une scène accompagnée par des artistes professionnels. Possible de jouer une bossa nova qui est si particulière en fait, si brésilienne à la française. Je vous laisse l'écouter. Merci. Allez, on y va. Petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand par moments me trahis, tu restes mon bonheur, petite fleur. Nous avons créé cette association depuis une dizaine d'années. Nous faisons la promotion de la musique, de jazz avec un grand J. Nous sommes à la 9e édition. On est passé de 3 jours à 3 semaines, maintenant en moins de 10 ans. Un autre projet dans l'association, c'est un film avec la réalisatrice Pearl Samama. Elle est pétillante, elle a un œil et un regard vraiment neuf sur la vie, sur le monde, sur le monde de la Bossa Nova aussi. Nous avons aussi une école, la Bossa Nova Academy. Cette école a été créée il y a 3 ans. On va apprendre à jouer avant de savoir lire la musique et l'écrire. Tous nos professeurs, ce sont des professeurs qui sont des musiciens, donc qui tournent. Donc ce qui apporte une certaine, énergie, un savoir bien spécifique, vraiment le jeu tout de suite et le plaisir. Nous avons des partenaires fidèles et le plus grand partenaire que nous ayons, qui nous soutient, qui nous fait confiance, c'est Monsieur Richard Delagnolin, le maire de Thiers. On lui propose tous les ans des choses nouvelles et à chaque fois il est tellement partie prenante de nos efforts que nous nous sentons vraiment épaulés et soutenus. Des radios aussi qui sont heureuses de nous accueillir pour des interviews comme la radio Nova, Radio Alpha, Radio Capsao aussi. Nous sommes vraiment très reconnaissants de tous ces partenaires. Ah ben voilà, tout est dit.